J'ai terriblement mal au pied. Gauche. Ça commence bien pourtant. Oui, vous trouvez que ça commence bien? Original en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Évidemment, il faudrait aller plus loin. Ça vaudrait la peine. Mais comment? Mais pourquoi? Un homme célèbre m'a dit un jour, je me sens poussée plus loin malgré moi. J'ai pensé qu'il me pousserait plus loin, moi aussi, parce qu'il m'aimait. Mais il ne m'a pas aimé longtemps. C'était normal, il était poussé plus loin. Alors je suis restée là, enfin, ici, pendant qu'il retournait à Paris. Paris. Il ne faut pas y penser. Oh, je ne voulais pas me servir de lui. Mais je pensais, grâce à lui, me faire connaître. Rencontrer le monde. Comprendre aussi pourquoi il était considéré comme un génie. Il était jeune et beau, c'est vrai. Il venait d'un pays mythique. Son imaginaire en était plein et ses spectacles. Il était chorégraphe. Déjà jamais vu. Étrange et pourtant familier. Mais notre liaison a été trop brève. Je n'ai eu le temps de rien. Sauf ceci. Au quotidien, ce grand artiste, grand pour moi, était un homme simple, un peu taciturne. Jamais on n'aurait pu soupçonner à le voir manger, dormir, à l'entendre parler qu'il fût aussi génial. Que tant d'idées puissent sortir de sa tête, que tant d'acrobaties, il était danseur aussi, puissent être exécutées par son grand corps long. C'était à n'y rien comprendre. Pourquoi moi je n'y arrive pas? J'aimerais tant être unique, moi aussi. Distingué. Hors du lot. Aimé, plus qu'aimé, reconnu de tous pour ma perfection, mon génie naturel. Belle et bonne et talentueuse et tout. Subjuguant le monde par mon éclat physique, intellectuel et surtout artistique. Une exception. Une étoile spontanément surgit au ciel des élus. Une alouette montante. Mais humble dans sa gloire, bien sûr. Modeste dans son succès. C'est si facile d'être modeste quand on a tout. Facile de dire « je me retire » quand on a des terres pour le faire. Comme Kim Basinger, qui a racheté son village natal avec ses cachets. Thank you.
je mérite d'être reconnue. J'ai un mystère qui attire, qui doit attirer. Il ne suffit pas de le savoir, il faut qu'on me le dise tout le temps, chaque jour, qu'on me rassure sur ma beauté, sur mon talent. Eh bien, rassurez-moi. C'est ça le problème, on est si mystérieux que plus personne n'ose vous rassurer, ni vous poser de questions. Or, j'ai besoin de questions. C'est nécessaire à mon mystère de dire qui je suis, comment je vis, ce que je fais. Parce que ça n'a rien de mystérieux. Et du même coup, ça renforce l'énigme. Cette barbe, par exemple. Vous savez, c'est du toc. D'ailleurs, ça me donne des allergies. N'est-ce pas la preuve que je suis faite pour porter l'or et l'argent seulement? La seule chose qui me plaise en moi, ce sont mes mains. Elles sont vraiment parfaites. Un jour, une chiromancienne m'a lu dans les lignes des mains. La gauche, les potentialités. La droite, ce qu'on en fait. La comparaison était claire. Regardez, tout était dans la gauche. Et dans la droite, juste de quoi remplir une salle comme celle-ci. Je manque totalement de courage et de ténacité. Dans les circonstances exceptionnelles, vous savez, là où le plus velléitaire, le plus insignifiant des hommes peut révéler une dignité et un courage incroyable. On entend souvent de ces histoires en temps de guerre. Je serai moi la première à me dérober. Je tiens trop à ma peau. Peur du risque, surtout physique, mais aussi morale. Il ne faut pas attendre de moi le sacrifice de ma vie pour autrui. Cette volerie, et c'est ça le pire, ne se manifeste pas seulement dans les circonstances exceptionnelles. Quand il s'agit simplement d'exprimer son avis, de formuler un choix, d'affirmer une valeur, de défendre un jugement, elle est là, cette sale bête. Elle me coupe. J'ai beau compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, je l'ai dit. Ça ne sort pas. Elle tient ma langue. Me paralyse. J'ai peur d'être ridicule, mal vue, de dire des bêtises. J'ai dû trop fermer ma gueule, petite. Une mère. Immense. C'est sa robe. À qui j'ai écrit dès que j'ai su écrire parce que je n'osais pas lui parler. Peur de ses grands yeux qu'elle ouvrait comme ça. Pour m'avertir. Pour m'interdire. Par écrit, je lui confessais les bêtises que j'avais faites. Par écrit, je justifiais ma conduite et par écrit, je demandais pardon. J'avais 6 ans. Je savais à peine tracer les lettres qui disaient « Maman, j'ai cassé ça. » Ça, c'était un système d'aspersion d'eau pour les seins. Une espèce de conque en plastique reliée par un tuyau au robinet dans lequel ma mère introduisait son sein gauche puis son sein droit. Il m'excitait cet objet. Il me dégoûtait en même temps. Normal. Je sentais qu'il était sexuel. Mon père l'avait acheté pour ma mère parce qu'il adorait ses seins volumineux et splendides et voulait les entretenir comme 2 fruits rares et les garder fermes et doux pour son plaisir. J'avais donc voulu voir de plus près cet objet
Je l'avais démonté, sans réussir évidemment. À le réassembler. J'avais cassé les seins de maman. Maman ne m'a pas grondée. Je reste fascinée par des gens comme ma mère. Et en même temps, je les déteste. Parce qu'ils ont tellement l'impression d'avoir raison. De détenir l'ordre et la vérité du monde. Comment oser croire ça? L'affirmer et l'imposer aux autres surtout. Ma mère, qui n'est pas avec elle, est contre elle. Ceci, le chant, la scène, c'est contre elle, bien sûr. J'aurais préféré que ce soit tout contre elle, mais elle ne l'a pas accepté jamais. Elle dit ne pas comprendre pourquoi je fais ceci. Et je la crois. Je ne te reconnais plus. Ça me fait peur, ces clowneries. Tu es quand même capable d'autres choses. Tu ne pourrais pas avoir un vrai métier. Et en même temps, elle dit qu'il n'y a pas de son métier. Je ne l'invite plus. C'est mieux. Pour elle, surtout avec ce que je raconte. Moi, ce que je raconte, c'est l'inverse de ma mère. Je n'ose croire à rien. Et pourtant, je voudrais, au fond, je voudrais croire que je suis vraiment une bonne chanteuse qui peut aller plus loin, à Paris, devenir l'alouette montante de l'arc ascendé. Mais l'opinion des autres, ce que j'imagine être leur opinion, contrarie d'avance la mienne. Je crois toujours que je suis dans le faux. Et puis, je ne sais pas gérer mon image. Je ne sais pas le vendre. Or, aujourd'hui, c'est clair, la raison pour du commercial avec des stratégies d'échange. C'est moche, mais c'est comme ça. Il s'agit de plaire à son agent, à sa firme de disques, au goût du moment. Par exemple, le baroque aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui vaille. Ou alors le contemporain. J'aime bien, c'est pas ça. Mais il n'y en a plus que pour Handel, Purcell, Lully. On fuit le romantisme. Wagner, c'est de nouveaux limites. Schumann, ça passe encore. Enfin, j'espère. Mais Franck, Brahms ou Vaughan Williams! Ce récital n'est plus du tout. Je ne veux pas penser à ses conséquences, ni à ce que vous pensez. Et puis d'ailleurs, je m'en vais. Encore plus, et c'est déjà. Tenez. Je ne vous regarde plus. Je chante, mais sans vous regarder. Ça ira mieux comme ça.
j'étais célèbre. Je chanterai pour l'UNICEF, pour Greenpeace, contre le sida. Je ne sais pas si j'oserais aller chanter à Sarajevo comme Barbara Hendricks, parce que pour ça, il faut vraiment avoir du courage. Et moi, je vous l'ai dit, je n'en ai pas. Mais je pourrais faire tant de choses. De mon talent. Merde. J'envie Barbara Hendricks. J'en suis malade de la voir. Si belle. Si douée. Et s'y engager en même temps dans le monde. Moi, je ne suis solidaire d'aucune cause. Les infos me terrassent. J'ai parfois de grands élans vers l'Afrique ou l'Amérique latine quand je vois des reportages sur leur misère. Mais ça retombe vite. Je ne pourrai jamais quitter maman. Ni Bruxelles. Ni même consacrer toute mon énergie ici à une cause quelconque, pas même à celle du champ. Alors je reste là, révoltée et envieuse. J'envie à mort tous les gens reconnus. Surtout les femmes et les plus jeunes que moi qui réussissent. Il y en a quelques-uns rien qu'ici, dans ce petit pays, qui sont de vrais scandales vivants. C'est terrible. Mais le pire, ces gars-là. Ce magazine qui ne parle que des gens célèbres. Je ne peux pas l'ouvrir sans crever de jalousie à voir défiler sur bon papier glacé ces divas de l'opéra, ces déesses du cinéma, ces top modèles de la haute couture. Je regarde pendant des heures leurs silhouettes parfaites, leur visage d'ange, en me demandant à la fois comment il est possible qu'il existe des êtres aussi beaux et pourquoi moi je n'en fais pas partie. C'est ridicule. Je sais bien. Complètement. Péril. D'abord parce que c'est sûr que ces gens-là sont parfois loin d'être heureux. Qui vivent des angoisses terribles. Qui sont insatisfaits aussi, toujours à la recherche de pouvoir et de célébrité plus grande. Et puis je vois bien que je ne suis pas si moche. Enfin, je veux dire qu'il y a des gens qui pourraient beaucoup plus légitimement que moi se poser ces questions sur l'arbitraire du sort. Non seulement les gens laids, mais les gens malades, pauvres, handicapés, prisonniers. Seulement voilà, je ne peux pas l'accepter pour moi. J'ai du mal à me dire qu'en fait je suis comme tout le monde, que je vis comme tout le monde. Je râle de ne pas arriver à vivre autrement alors que ma tête est pleine d'autrement. Ambition délirante, délicieuse.
Je connais quand même une artiste qui ne s'est jamais souciée de sa notoriété. C'est aussi la seule artiste que j'admire sans la jalouser. À cause de sa fidélité, de son exigence à l'égard d'elle-même et des autres. C'est une artiste sans égo. Ou plus exactement, dont l'ego ne cherche rien pour lui-même, mais pour l'autre. L'œuvre. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ça n'a jamais effleuré, c'est sûr. Elle est comme ces peintres moines du Moyen-Âge, qui ne signaient pas leurs œuvres parce que Dieu seul aurait pu les signer, qui pratiquaient leur art pour une autre gloire que la leur. Bien sûr, sont peut-être des mythes, cette histoire de signature, cette histoire de Moyen-Âge. Mais cette femme, c'est un mythe vivant. Elle n'est pas la seule. Tant qu'il restera quelques originaux qui sculptent dans le sable ou qui écrivent dans la neige, sans souci de la reconnaissance extérieure, de la pérennité de l'œuvre, tant qu'il y en aura qui sont poussés que par une source toute intérieure, alors moi je saurai que l'art reste une utopie. L'art existe, malgré et avec le fric, la vanité, la mesquinerie, la stratégie, bien sûr. Il fait partie de la vie et de l'histoire de l'homme et en exprime la part belle, quelles que soient les circonstances. C'est même pour exprimer cette confiance, première et dernière en l'homme qu'il existe, je crois. An meinem Herzen, an meiner Brust, du meine Wange.